Je suis sorti. Mais il n'y a personne en ville. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion de gaz? Un bombardement américain? Non. C'est pire. Mais nous, les petits vieux, comment est-ce qu'on fait pour se divertir? Quand il n'y a personne dans les rues, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on va voir? Il y a des choses auxquelles les gens n'y pensent pas. Alors je reste chez moi. J'ai ce qu'il faut. J'ai ma petite retraite. De temps en temps, je sors pour m'acheter du beurre. L'autre jour, je suis allé chez le médecin, en ville. Mais il n'y avait plus de médecin. Alors, je suis allé à l'hôpital. Mais il n'y avait plus de médecin à l'hôpital non plus. Ils étaient débordés. Que des gens par terre qui criaient, qui râlaient. Mais moi je dis, c'est une bénédiction. Moi je suis croyant et je dis, tout se compte. Moi j'ai travaillé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont dit ce que je devais faire. Et je l'ai fermé ma gueule. Et maintenant, j'ai ma petite retraite, j'ai mon petit nécessaire, et je sors un petit peu en ville, et je dis, c'est comme ça, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. J'ai fini par trouver un docteur à l'hôpital. Il m'a dit, si vous voulez un examen, il faut attendre un an. Alors, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il me l'a donné tout de suite, mon examen. Et je suis en bonne santé. C'est parce que toute ma vie, j'ai travaillé tranquillement. J'ai rien demandé. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai suivi ma voie. Et j'ai pas grand-chose aujourd'hui. Mais ce que j'ai, voilà, ça m'a été donné. Alors les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis très bien chez moi, à la ville, tranquillement. J'ai habité pendant 20 ans à la campagne. Ça suffit. Je suis tranquille, à la ville, chez moi, je ne dois rien à personne. Je suis à 10 minutes à pied de l'arrêt de bus. Et puis ensuite, je vais en bus et j'y suis tout de suite au bout d'une demi-heure à la ville. Et comme ça, eh bien, je suis content. Après, il n'y a plus rien dans la ville. Chez moi, je suis content. Je suis tranquille.
temps en temps, je fais des petites courses. Je vais acheter du beurre. Je fais les choses à mon rythme.